Et salut tout le monde, c'est Standiard et on se retrouve du coup pour cette fois-ci pour une nouvelle vidéo, voilà pas très longtemps après la précédente, je reviens assez vite. Du coup c'est pour cette fois-ci un speedrun de L9, donc voilà du jeu de Pooka. Voilà donc du coup, hop là, on va arrêter. On va du coup, donc c'est un petit speedrun du coup de son jeu, donc on va le lancer tout de suite et on va partir hein, sans plus tarder, hein, voilà du speedrun, donc du coup, on va sauver Soupex de Chevrex. Donc voilà, donc j'ai un petit setup, voilà, mais donc on va parti, lancer le jeu, et à la seconde j'en suis timer, la run est partie. Ok, donc c'est parti, allez hop. De Roland Mirin. Voilà, donc ça du coup c'est parti, donc du coup j'ai un peu appris la run, là, mais il y a un peu de random, surtout sur un passage, donc faudra juste pas se louper, sinon voilà, bon, on va relancer la run. Ferme ta gueule! Bon là j'ai pris le mur, ça n'a rien à voir. Et donc là faut tuer les chevrex, on n'a pas le choix. Et là faut tous les tuer, là on va espérer avoir un bon pattern. Ok, là on n'a pas un très bon pattern. Ok, oh, ça va, on s'en sort. On est passé, ok c'est très bien, c'est très bien ça, on a vraiment un très bon pattern. On va récupérer du coup la peau Guerino. On va du coup skip l'Alder du Brésil. Hop là, on passe du coup directement à la suite. Et c'est parti. Donc là on skip l'araignée. On va du coup aller dans le Nether pour pouvoir trigger shop et récupérer Alderiath. Donc du coup c'est parti, hop là, on trigger shop. Et on repart. Ok, très bien. On va du coup aller récupérer maintenant tout de suite Alderiath et la Trinité en bas du lac. Donc on essaye de prendre la voie la plus rapide. On va essayer de buter quelques ZAD en passant pour pas se faire submerger dans la maison. Ok, très bien, c'est bon. On a la Trinité du coup. Donc il y a Chab, voilà, qui va récupérer Alderiath. Donc là du coup, voilà. On va en fait tout droit direction la maison de Cun. C'est du coup à côté du pied de Soupex. Donc là du coup, on va essayer de passer à côté du lac pour essayer de trigger, pour ne pas trigger du coup les chiens. Les rex, voilà, non, ça exactement, les marex chiens autour du lac. Très bien. Donc là du coup on passe, hop là, on va buter du coup quelques alliés ici. On passe retrouver chien, chien. Et on passe, c'est parti. Hop là, du coup on récupère le bol de cum et là chien. On va tuer du coup les ZAD. Ok, très bien, donc là on bute les marex. Okay, donc là on va trigger chap, voilà, on va essayer de trigger chap. Hop là. Là, faut tuer chap, faut tuer chap. C'est bon, là tu échappes, on récupère Poké, on a récupéré le sel. Et là maintenant, on pousse la porte, on récupère le champ. Très bien. Donc là, du coup, tout droit, on a récupéré du coup tous les artefacts. Et donc là, on va run tout droit en direction la fin du jeu. Donc là, on va avoir un très très bon temps. Ça peut être vraiment cool. Voilà, donc c'est bon. Hop là, direction là. Donc là, du coup, on va trigger un chien. Voilà, mais c'est pas grave, on va l'ignorer. Non, en vrai, t'as bien joué, c'est pas grave. Voilà, entre dans les chiens, mais c'est pas grave. Ça permet de perdre quelques PV. Donc là, tout droit. Et c'est time. Et c'est time, les amis. C'est time, putain, je crois que c'est World Record. Putain. Oh là là, putain. Quel. Oh là là. Quel run de fou. Non, mais j'ai réussi à passer les chèvres tout de suite. En vrai, c'est incroyable. Bon, je vous remercie beaucoup, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Et jusque là, peace.